Ah, sexy. Oh putain, tu m'as niqué les oreilles. Ah oui, pardon, c'est vrai, t'as le retour. Excuse-moi, j'avais oublié que sur le 4, il avait le retour. Du coup, cette fois-ci, on a Golden Experience Requiem contre Fubuki, une 14e, 1370e, 1000 fois. Ouais. Après, il aime trop les caméras, je ne peux pas lui en vouloir. Il n'aime pas les caméras. Comme ça, il fait « La télé !» Mais bon, on va voir s'il va s'en sortir, parce que je n'ai jamais vu ces deux joueurs jouer ensemble. Moi non plus, je sais même pas s'ils ont déjà joué ensemble. Et il y a pas qu'un début à tout, c'est vrai. Et bon, après, c'est un match-up. C'est celui qui tape mieux. C'est celui qui tape mieux. C'est celui qui aura le meilleur coup. Quand le pass. C'est ok. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai déjà joué avec les deux. Kobuki, il est très fort sur les combos. En neutral, il a un bon neutral, mais tu vois, comme tout neutral, on peut l'améliorer. Mais moi, je suis un neutral. Et du côté de Requiem, lui, il brille pas par ses combos, mais il brille par son neutral. Et du coup, il est plus compliqué à toucher que un joueur, entre guillemets, qui débute et tout. Ah bah, bon, je vais devoir te laisser. Ah, on va voir que mon match va commencer. Ah oui, alors le amateur bracket. Ouais, parce que j'ai un 2 sur le. L'initial, j'ai un peu fait de la merde. Ok, bah écoute, comme l'a dit un grand homme dans un jeu que personne ne se rappelle, bah mon frère, c'était court mais intense. Et pourtant, il n'y a rien de bizarre dans cette phrase. Mais bon. Pas sorti de ton compte, mais ouais. Gab, est-ce que tu veux. Bébou, tu veux cast avec moi? Non. Dommage. Il n'est pas assez chaud barre de baiser. Bah au pire, laisse ça ici en attendant avec une caméra. Pas de soucis. Bah du coup, moi je continue à vous casser cette game. En vrai, c'est relativement even, hein, même s'il y a un petit écart de pourcent. Voilà, exactement. Fubuki m'a ôté les mots de la bouche. Les pourcents, ça grimpe vite. Bonjour monsieur. Bonjour Caster. Bonjour. Est-ce que tu veux avoir le retour? Pourquoi pas. Tu veux entendre nous, quoi? Bon, là, tiens. Genre là par exemple si je fais bon soit beau gosse, on part en deux. Passe ton casse. Hein? Passe ton casse. Bon bah au revoir, c'était court et intense. Mais... Moi je vais continuer à. Mais c'était avant. Et ben on va casse à 3. Plus d'en est tout, plus d'en rit. Alors. Mais Brice Samba 30, le GOAT, hein, Brice Samba. C'est une très belle ref. Malheureusement, je n'ai pas cette ref. Ce n'est pas pour le ref, c'est bon. J'ai le foot. Non. Et ben, c'est normal que je ne pas avoir la ref. C'est un joueur de football. Le gardien du RC. Et là, c'est la loser finale, hein. Ouais. Et pourquoi c'est ah bah oui, comme il est parti, on va pas changer. Oh. Waouh! Attends, et y'a le principe en fait là, il suffit de regarder. Ouais, c'est la finale. C'est la finale. Attendez, bah du coup, c'est le seul truc qu'on a oublié. Ah oui. Oh. Oh là. Oh, elle est juste au-dessus. Ah oui. Top 10 Monkey vidéo sans Monkey. Ok. Bah, du coup, avant que t'arrives, je disais que. Ouais. Comme on parlait un peu match-up des persos et tout. Et je disais que, genre, Fubuki, il brillait. Il avait des phases de neutral bien, mais il peut encore améliorer ça, tu vois. Okay. Mais qu'il avait des excellentes phases de combo. Là où à Requiem, il a des phases de combo qui sont plus basiques, tu vois. Mm-hmm. Mais il va avoir un neutral de fou. Mais Requiem, c'est vraiment son gros point fort. Il y a un plein de neutral. Ouais, non, mais t'inquiète. Vraiment. En fait, le seul truc chiant contre Requiem, c'est s'il tombe contre un mec qui a un meilleur neutral que lui. Il va avoir beaucoup de mal. Mais déjà il est pour moi il est sur la bonne voie de la progression avec ce genre de neuf. Ouh attention. Ouais. Eh oui, ça ne tue pas. Il a une capacité d'analyse incroyable, j'aurais pu trop bien de fait. Ok. Il a fait ça avec lui. Ok, alors là sache qu'il a eu beaucoup de chance de décoter de l'aide de l'autre côté, sinon il avait perdu la guerre. Là il perd la guerre. Là il faut faire attention parce que là, les deux sont à kill 100. Mais en plus c'est ce qu'il m'a dit pour Wookie. Mmh. Il m'a vraiment dit là je vais reprendre le game, putain j'ai pris une game juste avant, c'était déjà beau. Et là du coup j'ai le camp. Là c'est. Mais attention, là les deux sont à kill pourtant, mais il y a 100% d'écart. Justement. Justement, là il pourra, ils sont mal les couilles. Quoi? Qu'est-ce que j'avais dit? Les deux sont à kill pourcent. C'était sûr. Il est venu, il a fait Beyblade avec ses pieds, bam. Et tout ça parce que le deux smash a envoyé de l'autre côté hein. Oui. C'est trop grave. Et ouais. Non, el tornamento, hein. Ah là là. Oh là là. Ah, j'y pense encore, c'était un smash, non. Bon bah du coup, après, moi je dis ça comme ça, hein. Pourquoi il a gagné la game, sombrero actuellement? C'est vrai.
qu'il y a un sombrero. Ah, ouais. Et je dis pas que le sombrero est un buff dans l'état actuel. Ah si si. Mais... dans le El Torneo de los Locos, le buff sombrero est présent. Non, bah, en fait, c'était l'ironie. En fait, c'était ça la blague, c'est que merde, dis pas. Je dis pas que le sombrero donne un buff, mais les faits sont là, tu vois. Les faits ou les choses. Ouais, c'est ça. Donc 2%, 2%. Ok, 15%. 15%. 15%, 2%. 10%, 4%. Et là, le mec il comprend rien. Non mais les deux, tu vois, ils sont à 10% là. Si le mec fait une merde offstage, il rentre pas. Regarde, en fait, il y a plus de PV que bien. Ouais, c'est des PV, ouais. Non, c'est des pourcents. Non, mais c'est des PV. Des doigts à Pokémon, je sais de quoi je parle. Regarde, chaque fois qu'il se tape, il gagne des PV. Non, mais c'est ça, hein. Oh, le grand frère est là. Y'a fait. Y'a m'aider, Dorian. Dorian, le grand frère. Hein. Oh! Oh. Moi ce que j'adore avec Requiem, c'est qu'il n'hésite pas à spammer les packers. Bah oui, bah en même temps il porte. Bah du coup, dès que quand il fait un saut et qu'il fait plus qu'un de. Quand il fait un packer G1, quand il en fait plus, je rajoute. Je dis rien. Kyogen. C'est rien. Voilà. Et encore, après il y a des moments où il attend bien en passant le packer. Et doucement, ouais, juste spam les packers et il fait qu'un lag. En vrai, il y a raison, aucun lag, ça cover super bien et ça peut kill avec Arsène. Et même sans Arsène, ça peut mettre dans des situations vraiment compliquées. Ouais, bah t'inquiète pas, moi il me l'a fait plusieurs fois avec une proc là. A raison, parce que ça a dépassé. Mais oui, mais normal. Genre, à mort, tu veux, de 0 à jusqu'à la mort, il m'a fait au moins 6-7 backers au stage. Après, je pouvais rien faire avec une fox parce que le recours est tellement lente. Oui. Oh là là. Ok, ok, là ça a mis une petite hausse. Eh bah, malgré tout. Non, il avait 5,99 sans payer. Il a fait. Non, nous on est honnête, on ne fait pas ça ici. On est honnête, Holdo en face de lui. Dorian, tu as entendu? You fool! Oh non! Et maintenant il va se faire remonter! Non! Surtout que là, il est vraiment pas dans une situation. Il y a un corner là, il tente un side B en mix-up là! Jürgen! Un backer! Il a fait Jürgen! Ah! Oui. Ah! Attends-toi! Notre match! Ok, en vrai, il n'y avait pas le temps pour un autre mais match. Mais tu t'arsenais, tu t'arsenais. Bah en fait, c'est surtout qu'il n'y avait pas le temps de lui faire un smash quoi. Ouais. Toi, il y a un smash. Oh, il lui a mis il lui a mis un gun faire un là. Les side B, c'est pas un peu des strepsils, genre il donne des strepsils Joker. Quoi? Il balance des petits strepsils là. Pas des strepsils, des strepsils. Avec la comme tu dis, tu vois, Kim plus une difficulté si là t'as un adversaire, enfin un autre adversaire que lui. Sauf que bah, c'est pas que tu le dis hein. Donc force à lui. Oui c'est sûr que sur le coup tu vois pour moi Kubuki il a un moins bon neutral mais il a un combo game qui brille du coup tu vas plus voir Kubuki briller dans les phases de combo contrairement à Requiem tu vois. Ouais et après en même temps avec des Z tu vois une phase de neutral c'est compliqué hein face oui, à après, Joker. Je sais que le perso il a un combo game de ouf mais pour Peach Daisy ça peut être compliqué dans le neutral. Surtout quand en face t'as le grand frère qui est là. Mais ouais, je suis pas ça, c'est à côté, j'en peux plus. Genre Joker, il a fait Das que t'es coudé au Nikan. Et son frère, il est venu, il a fait Chodai. Mais c'est 163 174, bon, sinon on a la live, il va jouer en 2 secondes, il va revenir, c'est bon, on connaît. Après, grand frère n'est plus là. Donc, tu vois, qu'est-ce que je disais okay, qu'est-ce que je disais avec les combos, regarde. Là, il a eu une passe d'avantage, 50%. Ok. Ok. Allez, Mookie. Regarde, deux phases d'avantage. Le meurt. Non, le non. Papa. Oh, counter. Cringe. Top 10 cringe moment. Counter. T'as besoin du soundboard, t'inquiète, tu l'as. Mais un jour, mec, t'inquiète. Je pourrais tellement t'amuser qu'on aura le truc là. Non, il faut pas faire ça. Moi, je vais être dans l'excès avec ça. Non, vous me dites, qu'est-ce qu'il fait quoi? J'amuse. Counter. Ah, merde, je vais penser au montage là. Non, mais t'inquiète pas. Le sous-jeu. T'inquiète pas pour le montage. T'as pas besoin de. T'as juste pas besoin de rajouter des mèmes, je l'ai fait moi-même. Ok, ça marche. Non mais moi je suis trop sympa, je fais non seulement les montages avec ma voix, les mêmes avec ma voix. 2 heures mec, 3 heures en plus. Tu vois, je suis trop sympa, genre les mêmes, t'as pas besoin de les faire, j'ai fait avec ma voix, et l'équipe j'en fournis. T'as pour le coup, je pense que je vais te gâter, hein, dans le son de la tête. T'inquiète pas, tu vas bien, rigole. Mais le truc c'est que du coup, vu que El Torneo du coup c'est pas la bagarre assez, ça va sûrement prendre un peu plus de temps, que je focus la bagarre assez. Oh t'inquiète. Ok, là le souci c'est que c'est la même situation de tout à l'heure, tu vois. Et qu'elles aient dit son neutral. Also le neutral de Joker, backer. Mais oui, et ça marche trop bien. Après, c'est vrai, parce que c'est ça marche trop bien. Non, ok, là c'est pas... Ok, le Kyodai était là. Et en fait, c'est pour ça qu'avoir un bon neutral, c'est très important dans ce genre de situation, la stick, la stock. Très souvent, tu vois, t'es toujours dedans, là où... T'arrives plus facilement à trouver le truc. Et en plus, comme il joue Joker...
C'est pas le... C'est vraiment un perso, il mange bien quand il s'agit d'avoir l'avantage comme ça. Ouais, enfin, ouais. Si t'as un bon neutral, il garde tu vas être très fort avec Joker. Tu vois, y a pas un combo game aussi, aussi fort que Peach, tu vois, mais il y a une capacité de garder l'avantage incroyable. Mmh. Ouais, là, du coup, il y a des très bons moves dans neutral. Et Requiem, comme en plus, lui, il y a un bon neutral. Ah, mais c'est du pain béni, non? C'est trop plaisir. Justement, avec un personnage qui a aucun spacing ou quoi. C'est ça, hein. Genre, en vrai, Peach, Daisy, aucun spacing. Il y a le back air qui peuvent spammer, quoi. Oui, c'est vrai. Mais genre, comment tu gères Peach et Daisy quand Peach et Daisy en désavantage? Elle se fait soulever en désavantage. Tu es triste, arrête. Tu es triste, pleure face à Arsène. Non, mais c'est trop ça. Bon, du coup, troisième game pour l'instant, Requiem a un léger, très légèrement gros mid. À peine, à peine. Ok. Ok, Ouais, let's go, c'est pas le combo. Ok, Requiem, il s'est amusé à faire gauche-droite, diagonale, bas, droite et cercle. Il a cru qu'il allait se passer un truc en faisant le Konami Code, mais Ok. Franchement, je pense qu'il va réussir à remonter. Hein. Ça, il me disait que c'était très compliqué contre Requiem. Après, c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Mais s'il continue à être turner comme ça, tu pendant tous les games, ça va être compliqué. Attends, je balle le coup. Tant qu'il n'y a pas Epic Game, rien ne joue. Et tant que les. Nico aussi fait des side B comme ça, peut-être pour eux. Bah en soi, regarde, tu vas dire, oh, nana, il a fait un side B dans le vide. C'était quoi la punish cartu? Rien. Bah et, du coup, il a eu raison. Heureusement qu'il n'y a rien eu. Hein. Ah, dommage. En plus, en même temps, il y avait Arsene 4. Il, en fait, là, il lui a dit votre sauce. votre sauce sur place ou emportée? À l'extérieur. Il a dit, bah je sais pas, il fait, bah en tout cas, c'est sur place. Bam. Oh putain! C'est en drive, il est renvoyé chez lui là! Il y avait allez, livraison spéciale! Sponsorisé par FedEx! Top 10 personnes à 5 là, renvoyé! Okay. Bah du coup, ça donne un excellent avantage pour Epigame, hein, parce que c'était vraiment even, mais là, du coup. Ok, là, il a voulu faire un Jojo pose. Il a utilisé la puissance de son stando, c'est-à-dire le grand frère. Ok, maintenant, on a le petit temps de Keller. Mec, au pire, viens, le grand frère, on l'appelle Ibik. Hein. Ibik, le grand frère, il va venir te soulever. Il vient, il fait qui c'est qui a touché à Dorian? Le grand frère, le plus proche de chez toi. Wow, ok, dommage. La rilo était bonne, je sais pas si ça aurait tué. Mauvais placement, mais. Ok. En vrai, dommage, c'était bien pensé. Là, le combo, moi, ce combo, je l'appelle The Show is Over. Ah non, mais tu sais que moi, j'adore donner des noms à des combos parce que sur Smash 4, tous les combos quasiment avaient des noms. Ouais. Mais les gens ne le font pas. Alors que. En même temps, tellement. Après, je sais que sur Steve, il le pose. Hein. Oh! 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 Happy Feet! Wombo combo! Ce n'est pas Falco. Il balance trop vite son avis, en fait. T'as beau, j'ai l'impression qu'il regarde pas assez où est-ce qu'il va l'adversaire et il le balance direct son avis. Ça, c'est ouais. Oh, il a pas fait un do again. Okay, j'ai l'impression qu'il a compris que le public, il attend un bagarre pour foncer. Je pense qu'il a remarqué. Parce que ça fait deux fois qu'il le public. Oh, oh là, il voulait juste être stylé. Hein. Genre, il a fait les guns et tu vois, quand tu fais les guns, tu peux choisir la direction. Comme il était à ras du sol, en fait, il glissait. Mais il pouvait faire n'importe quelle option. Ok, j'entends que ceux qui perdent contre Mizu mangent un verre, mais genre un insecte. Ah, je viens de capter. Hé hey, Mizu, tu veux jouer? Mizu Skipper, il en mange 5. Ah ouais. Avec les barrettes de chaud là. Oh, c'est pas dessus, c'est ma tête, le mec l'a dit. Est-ce que tu t'es déjà fait foudroyer par une Jouan le Beyblade? Vite. Il a tourné, il a smash. Wow. Ah, mais là. Je veux dire quelque chose. Oui, c'est le sombrero buff, les gars. Ouais. Non, mais voilà, je l'avais dit, hein. Je l'avais dit.